Tales of Arise. Il va falloir que j'appuie sur une touche avant que ce jeu de bâtard ne lance la cutscene. On dirait qu'il est minuit passé hein, à cause de ma cam noir et blanc, alors qu'il n'est que 16h. On va pouvoir jouer assez longtemps. Ouais, mais tu sais ce que c'est, quand je vais m'entraîner, en général la journée prend du temps à passer. Mais au moins, on va pouvoir jouer à beaucoup plus longtemps que d'habitude. Est-ce qu'on lâche un continu? Moi j'aime bien aller en charger la partie. On en était où? Qu'est-ce qu'on faisait? Comment ça? J'ai pas sauvegardé, c'est ça? Non, c'est impossible. Plein et juste de Nevira. Si, 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 bien sûr, le... on est arrivé aux portes de Cisloden, bien sûr. Arrivé aux portes de Cisloden, let's go, let's go. Là où ils ont enfermé Zephyr. Ça devrait bien se passer. Ouais, j'imagine que camper ça doit pas être dingue, hein. Surtout dans la montagne comme ça. Comment ça va, Elna? T'as bien dormi? Passez une bonne journée. C'est joli, hein. Du coup, c'est ça en fait qui fait que c'est la nuit tous les jours. Être un système chelou. Kezako. Bon, je suis un peu fatigué. Le temps que je me réveille, ça va aller. Parce que là, je viens de manger. Pouah, je suis stun, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Ça sert à quelque chose d'acheter. Je t'avais posé la question hier, mais t'étais en train de crafter. Ça sert à quelque chose d'acheter des armures pour en avoir une de chaque. Ah, mais j'en ai une de chaque. Et pas une armure que j'avais. What? Ah non, mais ça c'est vendre, acheter. Ouais, genre ça sert à quelque chose d'acheter une armure. Je sais que les armes, tu m'avais dit, c'est intéressant d'avoir une de chaque. Armure en peau de zeugle. En peau de zeugle. En peu. En peu. En peu de zeugle. Bah, ça sert à quelque chose. J'ai bien dormi, j'ai trop farm hier. Je viens de faire 9 expertes. 9 expertes! Pour les. Dans le doute, bye. Ouais, j'avoue. Hein. J'avoue que dans le doute, on pourrait avoir un objet de chaque. Hein. Mais 760, c'est quand même plus de 10% de ma fortune pour le moment. Je vais pas l'acheter. Mais on n'oubliera pas qu'il y a une... Enfin, si, on va oublier, mais... on va imaginer qu'on n'oublie pas qu'il y avait un truc ici. Bah vas-y, on avance. Hein. J'aimerais que l'histoire avance. On est à combien dans les scores? Hop. Il y a encore du, il y a encore de la route, il y a encore des combats, donc on va camper. On vient de se taper un gros combat en plus. Je crois qu'on avait fini avec un boss loup la dernière fois. Qui était vraiment sympa. Ah, en plus, il y a un R1. Les R1, c'est toujours derrière moi. Hein. Mais oui, la grande capuche est mignonne. I had no idea this sort of fashion existed on Dana. Oh, elle est jalouse. Did I say something to offend you? No, I think she's just not used to the attention. Elle est pas habituée. Elle est pas habituée à recevoir des compliments de la part d'une régnienne. C'est une enfant, la pauvre. J'aime trop son design, c'est un truc de fou, hein. Faut que je me calme. Souvenez-vous, ah oui, ok, c'est pour revoir les scénettes. Non, non, R1. As if this place wasn't cold enough, it's also pitch black. I'm amazed anyone can live in this realm. Seriously, having all this snow everywhere makes it harder to walk or get anything done. And not having any light to see by makes the uneven terrain even more difficult. Calaglia is no walk in the park either. It's dusty and there's rocks everywhere. And it's on fire all over the place. C'est vrai. Yeah, you're right. Now that you mention it, all those fires are a pretty weird phenomenon. Ils étaient habitués, hein. They were always so annoying to navigate. C'est vraiment les nations de Avatar. Out here, fire is as important as water to our survival. So are the trees we use for firewood. Oh, j'ai les bras congestionnés, c'est un truc de fou. Not just rare. Until I went to Calaglia, I'd never seen sunlight before. I'd only heard about it. I couldn't believe just how hot and bright it seemed to be. Et la vitamine D? I guess in most realms. It's just a fact of life. Elle a jamais vu le soleil. It's pretty interesting. Ils sont transparents. The way the sorts of things people take for granted change from one place to another. C'est marrant. Y a plus de R1. Allez, on se repose, on va cuisiner. On va cuisiner. On mange quoi aujourd'hui?
Porridge, j'en ai déjà fait. Est-ce que ça fait, change quelque chose d'en faire une fois, de faire une fois un truc? Butin abondant, ça c'est pas mal ça. Défense élémentaire, récupération de PV après combat, minerai rare, bonus minerai. Je crois que ça... Je crois que j'ai tout fait sauf bonus minerai avec le jus. J'ai fait récupération de PV, non, j'ai pas fait ça non plus. On va faire butin, allez, ça demande du lait, mais que voulez-vous? C'est qui? Ah bah c'est Rin, allez. C'est Rin qui cuisine. Ah non, je vais parler avec Rin, je suis bête. Je pensais que c'est elle qui cuisinerait. Dis-moi tout, Rin. C'est quoi que vous préférez? Que je reste? Et que vous voyez mes réactions nulles? Ou que je sois pas là? Ah mais il parle même pas, c'est juste genre... Good night. Bonne nuit. Ils ont même pas parlé, c'était trop bizarre. C'est quoi cette arnaque? Ouais, bah son... Comment c'est la quête, la forêt des hiboux. Direct, on se fait prendre. Hein. Salut le hibou. Le jeu, il est assez linéaire pour le moment. Hein. Maintenant que j'y pense. Oh. Do you sense one of your friends, Hoodle? What the fuck? Personne réagit au fait que c'est trop stylé? On est dans Zelda? Ah mais il y a l'arbre mojo et de l'autre côté il y a il va me ramener c'est ça? Ouais. Et de l'autre côté il y a la Master Sword. Quelle dinguerie. Mage non donné à une minorité de Daniens. Capable de lancer des spells. Voilà merci. What the fuck? Oh le roi des hiboux! Et la reine des hiboux! Is that a zookle? No, an owl? Hoodle doesn't seem too wary, so it's probably not hostile. Salut les amis, cette île est un vrai paradis avec tous nos amis, le soleil gris sourit au pays des kangourous, il y a des hiboux partout. Damn. C'est leur trésor de babiole. Tenue de combat noir, vêtements d'Ania entièrement noirs de jet. De jaïs bien sûr. Qui se font parfaitement dans les ténèbres, parfait pour les excursions nocturnes. Petit cadeau de bienvenue. Why has it suddenly started giving us things? C'est le but des hiboux, j'ai remarqué dans le jeu. C'est nous trouver, nous donner des trucs. Hey, is that owl beckoning us over? I think it is. It's the owl we rescued before. Then maybe that's what the gifts are all about. It's thanking us for saving its friend. Plus vous soyez de hibou, plus ils seront. This one isn't just bigger than Hoodle, though. Something about it seems almost regal, don't you think? Bah si, elle a une couronne. The king of the owls? Ça c'est évident. Elle c'est la reine. The other one, the queen? Bah oui. You think so? Connectez yes, les neurones. Clearly a pair. Ils ont une couronne. Pas évident. Is this some kind of owl sanctuary? It's such a big place though. I wonder if those two were living here all alone until we rescued that owl. I thought no other owls existed, but here they are. And a king and queen by the looks of them. You never know what other ones might be out there until we activer, look for them. It's not like you were searching the whole world over yourself, que ma chaise, right, Greenwell? Me laisse basculer. That's... well, I mean, yeah. I guess you've got a point. Hey, Hoodle! Je me sens bien comme ça. More of your friends and tell them about this place. It can be a little side mission on our trip, if that's okay. It's fine with me.
Ce qui nous donne du loot, pour moi, c'est... C'est même la quête principale, limite. Il nous donne même mieux que du loot, il nous donne du skin. Glamour, true endgame. It's nothing. Don't mind me. Ready to move on? L'ami des oiseaux. Voilà, comme c'est maximale de GA de 1. Ok. Ah bah ça c'est cool parce que maintenant je peux faire double. Je peux faire directement deux spells 2. Tu as 5 hiboux par région. Ok, mais comment. Comment. Attends, déjà je suis trop dans l'ombre. Je vais voir si je peux pas arranger ça. En faisant comme je fais d'habitude. Comment tu sais ce que t'as trouvé? T'as une liste? Peut-être qu'ils te disent dans la quête combien t'en as par région. Est-ce que c'est mieux avec ce petit écran blanc là? Sans doute pas, mais on s'en fiche. Maintenant que je suis installé comme ça, je suis mal à l'aise. Ah c'est bon. Merde, j'ai plus le jeu en poker. Le jeu, merci. Apporter des hiboux. Les hiboux que vous trouverez s'en iront rejoindre la forêt des hiboux où règne le roi et la reine des hiboux. Vous pouvez parler au roi pour obtenir des récompenses en fonction du nombre de hiboux que vous avez localisés. Ah mais c'est vraiment les Kourougous hein. C'est les Kourougous. Moi je fais le tour comme tout joueur de JRPG. Un joueur qui arrive dans une zone et qui fait pas le tour comme ça de manière débile, c'est pas un vrai joueur. Donc là ils m'ont donné une tenue. Oh mais le loot. Ah, force qui me donne des conneries, je pourrais ramasser ce minerai, c'est ça? Ou alors est-ce que c'est juste, ça fait partie du décor quoi? Cet arbre peut faire un percheur parfait pour des hiboux. D'accord. Percheur parfait. Percheur parfait. Ah, il a dit quoi? Ah oui, ok. Il reste encore un peu de place pour d'autres hiboux sur ce perchoir. J'ai trouvé deux hiboux pour truc. Ça c'est les hiboux de la zone du feu et du coup j'ai que 4 couples de hiboux. Il n'y a plus de place sur ce perchoir. Ah non, je les ai tous, il n'y a plus de place sur ce perchoir. Ah mais ça spoil un peu les régions parce que ça c'est la glace. Ça c'est la neige, ça c'est le feu. Il y a une région de cristaux. Il y a une région de désert et il y a une région de forêt. Bon après c'est pas très compliqué de se dire ça. Le roi hibou. Ah merde, j'ai plus de place pour la gelée pomme. Et je peux pas l'utiliser. Bah je la mange quand même. Oh je vais perdre une gelée pomme. Moi je suis un optimiseur, regardez. Regardez. Je vais aller vendre ma gelée pomme. Incroyable ce qui se passe. Ça n'existe pas dans les vrais jeux. Dans les jeux vidéo, personne fait ça. Je vais aller vendre ma pomme. Vendre. Gelée pomme, une. Let's go! Il n'y a pas de petit profit. Voilà. J'ai hâte qu'il se passe quand même quelque chose dans l'histoire. Ça me paraît trop linéaire pour le moment. Donne-moi la gelée pomme. Ah merde. J'aurais pas de gelée pomme. Ah si, va chercher. En cutscene. Il est trop con. Hein. On dirait qu'il va, il se cogne, il tombe dans la pile quoi. Gelée pomme, feu de réduction, gelée orange, feu panaché. Oh lolo. Il m'a donné full truc. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Ok. Bah pololo. Pololo, pololo. J'ai des tenues du coup. C'est la même en noir. Bon, let's go. Y'a rien de stylé pour le moment. Bah ça c'est quand même stylé. Hein. Mais ça fait trop le mec.
Du coup, elle, j'ai une robe, du coup. Bah oui. Robe fleurie. Robe... Oh, she's so cute. Moi, franchement, je la préfère comme ça. Ça, appelé efficace. On dirait que c'est dimanche et on chill à la maison. Ça, c'est joli, mais le rouge, c'est craqué. Et vu que tout le monde met la rouge, moi, je vais mettre la bleue. Oh, j'ai pas de manteau pour la petite. It's so bad, man. Bon bah, let's go. Je suis sûr que les DLC doivent donner des images de fou. Hein. Dans ces cas, on ira dans le... Attendez. Mais là, c'est parce qu'elle ressent ce hibou-là. C'est parce qu'il y a un autre hibou. Bah oui. Quand même, jeter un coup d'œil, mais... On est bon, on est bon. Allez, on avance. The Silver Swords. Heck, we even have members working within the Snake Eyes gathering intel for us. Sounds like it involves a lot of double crossing. It does. But it keeps us alive and one step ahead. Calaglia wouldn't have been liberated without those double agents. C'est quand je peux pêcher là? C'est la deuxième fois que je trouve un ponton de pêche là. What the fuck, le jeu? Can't even fish, man. Non, je joue la petite, non? Ah non? Comment on fait? Voilà. Raging Cascade! Dance in the wind! J'attends. Regarde quand on fait deux fois le même élément, c'est insane. Ça fait des pics de glace. Je vais te décevoir, tu devras encore attendre pour la pêche. Non, franchement, c'est abusé. Hein. La pêche, c'est au début en vrai d'habitude. Il y a un hibou, je le vois d'ici. Ouais, comment on fait pour faire qu'on joue la meuf encore? J'ai oublié. C'est comme ça. Je crois qu'ils aiment pas la glace. This will come in handy. Ouais. Quoique non, ils sont pas violents contre la glace. Oh, vas-y, j'ai tout mis à côté. Ah, c'est bon, ça a touché. Ça devrait être un peu plus auto-guidé quand même. Plus tranchant. Ah, plus tranchante, ça a l'air insane. Ah merde! Mais il y a des murs invisibles dans tout le jeu et tout d'un coup il n'y en a plus. Ah ouais, ah bah d'accord. Il y a des murs invisibles quand on veut quoi. Aussi, quelqu'un qui est devenu super intéressant à jouer, c'est la waifu. Parce que la waifu, je vais vous montrer. Comment on change aussi qui on joue? Y'a pas moyen de linker, comme ça c'est toujours la même chose. Genre là, par exemple, si je joue Shion, j'aimerais contrôler Shion, tu vois. Ça, je me rends compte, mais bon, c'est pas le cas. C'est que elle, maintenant, si je me trompe pas dans les combos que je lui ai mis, elle a des chouettes trucs. Ouais, elle a des chouettes trucs. Genre, tu fais gravité into, c'est la merde, quoi. Regarde, hop. En direct. Gravité, d'ailleurs tu peux cast... Oh, j'ai un nouveau spell. Elle a le spell... Mais elle a le spell de la waifu. What the fuck. Oh. Let's go. On apprend des trucs. Comment ça, avoir des vrais spells hein. Bon, ça y aura des vrais spells. Attends, j'ai débloqué Hadoken de glace.
J'ai débloqué Hadoken de glace. Lance de glace, ça demande 3, ah ouais. Donc c'est vraiment très puissant en fait le spell de la petite quand je fais le combo. Mais frappe volcanique je préfère toujours pour le moment. Par contre champ de gravité faut vraiment l'améliorer. Parce que j'espère qu'il fera une plus grosse AOE. Par contre ça rapproche pas tant que ça les ennemis. Hein. Ah là par contre si on joue contre les robots, contre les mecs faut jouer Alphen. Ça a rien à voir de... On peut contrôler la petite et jouer Alphen, mais c'est trop dur ce jeu. Comme ça. Voilà, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler quand même elle. C'est juste que en combat, je vais passer sur Alphen. Parce que j'ai envie de jouer la petite. Alors comment on fait comme ça? Ouais. Nice. Bah, contre des mobs comme ça, faut vraiment jouer le mec. Pour être sûr de, pas de bien s'en sortir. Oh les cristaux. Oh, je vais pas aller dans l'eau avec la petite. Hein. La pauvre, elle va se faire mal. Allez, le mec, tu y vas. Et t'attends. Et les waifus attendent sur la berge. Ah là. A little water's not going to hurt it. Wow. Fire in the hole. Mais. Ouais, du courage. You must really like it, Alphen. J'en ai déjà une. Problème du courage. Oh merde, il y a un berserker. Bla bla bla, magic. Oh, j'ai raté. Attendez, j'ai envie de... Et ce cas d'intérêt, je vais mettre Orbe de Foudre à la place. Ah mais je comprends pas, je fais mal. Oh, j'ai pas compris le spell. Ça fait quoi Lightning Orbs? Elle fait pop des sphères autour d'elle, on comprend pas ce que ça fait. The fuck ma grande? Produit 4 orbes de foudre explosive. Ah mais c'est au cac? C'est peut-être au cac. Du coup c'est mieux qu'avec l'air tonique. Bah oui. Et du coup faut toujours jouer avec Estocade. Être souveraine, ah mais il débloque des trucs, double croc démoniaque. Être souveraine. What the fuck? Double croc démoniaque, ça coûte 2 nuées de dragon. Arc caché qui affûte. Bon attendez, je vais quand même me remonter parce que... Caché qui affûte l'esprit avant d'asséner un coup puissant, un puissant coup d'épée. En vrai, je suis pas obligé d'avoir
Alors ça... Je peux juste sauter pour faire les combos dans l'air. Rayade souveraine. Double croc démoniaque, nuée de dragon. Allez tester. Allez tester. Je suis en mode... Je joue tout le monde là. Let's keep moving. Ah ouais, je joue tout le monde et en même temps personne. La bouffe, hein, le bonus de bouffe qui est déjà passé quoi. À part que je fasse des bêtises et que je prenne ma vie. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Now, I'm only getting started. This ends now! Consider yourself finished. With your flames and my technique, we're stronger together than we are apart. Attends, t'as la souveraine, je suis pas sûr d'avoir vu ce que c'était. Un gros coup, hein. Ah ouais, 900 quoi. Ah. T'as souvent une scène. Je vais garder sur triangle. Par contre, sur X, faudrait quand même que je garde une petite attaque qui coûte 1, quoi. I need something to eat. Bah, y a des pommes là. Let's go, 4 pommes. Alors, j'ai quoi sur, sur X là? Nuée du dragon. Oh, c'est stylé! Ça vaut la peine en vrai. Ça fait des vrais dégâts. Hein. Ça fait des vrais dégâts. Ça fait des vrais dégâts. Faut vraiment utiliser les nouvelles compétences. Because I certainly won't run away from a battle. Oh, attendez, je fais le tour parce que j'ai l'impression d'avoir raté des trucs. Je suis tombé ici, donc là, tout ça, ça devrait être fait. Il y a un hibou au milieu, on l'avait vu. Et des poissons, fort bien goûteux. Du saumon. Pour l'instant, je pêche legit avec mon propre... avec mes mains, quoi. Que de loup. Merci. Des fois, j'ai l'impression qu'il me donne plusieurs fois le même objet parce que. Que queue de loup, je devais déjà avoir. Hein. On allait voir tout là-bas. Ouais, il y avait un objet, je l'ai pris. Il va y avoir un caillou ou une herbe. La musique, elle est vénère, hein. Elle est vénère dans son épicness, tu vois. Du coup, y'a rien de raté en soi. Y avait l'arbre. Y'a la cité là-haut. Jusqu'ici, ça va. Y'a une genre de grotte. Ah! Rinwell. Hey, Rinwell! Hey. Ils nous connaissent! What are you doing here? If the snake eyes spot you here, they'll... So you did make it back alive. Man, am I glad to see you safe. Barely. When we all got separated, I thought... They're fine. They all got back in one piece. Well, Azugul took a bite out of two of our guys, but...
What matters is you're safe. So, you gonna introduce me? Meet Alfin and Shion. I brought them with me from Calaglia. You mean you made it to Calaglia? Wait, this is it? Just the two of them? Where's the rest? Well, it's kind of a long story. It's best if I fill everyone in at once. Your call, Rinwell. But everyone will be dying to know. We better get back as soon as we can. Use this passage whenever you need to go in or out of the city. Stay away from the front gate, whatever you do. C'est des malades, quoi. Ils ont cru qu'on allait arriver avec toute une armée. Je leur foutrais des only two. Mais cadeau, on est plus nombreux que toute ta famille. Ah, ils ont une défense, hein. Ils prennent pas les mêmes dégâts. Hein. Mais vraiment, hein. Mais ça marche pas l'attaque de feu avec... Même l'attaque de feu avec frappe du dragon, ça marche pas. Coup ardent, oui oui, le feu c'est cool. Mais c'est pas ça le problème. Bien sûr, je bonus après ennemi à terre. Ya 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 choucroute. Ça m'énerve là. Pourquoi l'attaque elle marche pas sur tous les spells? Passage rapide, plus rapide. Il serait temps que j'achète des trucs avec Alfen, hein, mais à chaque fois je sais pas quoi acheter. Parce que les nouveaux coups c'est cool, mais je préfère acheter des statistiques d'abord que des nouveaux coups. Augmentation des dégâts sur points faibles, bon, ça c'est bien. Mort imminente, on s'en fout. Augmentation de GA, augmentation de petits carrés, c'est cool ça en vrai. Oh, restauration GA après coup critique. Ah. Après, garde parfait, dégâts contre-attaque. On va prendre un carré de plus. Non. Alors, quel est le truc qu'elle a des... Voilà, ici 400 et 600. Ici, il faudrait acheter 4 trucs et ici 4 trucs. Résistant, défense élémentaire et ici. Attaque élémentaire. Autant garder pour acheter ici d'abord. Poète. Ok, pour l'instant ça se passe. Hein. Fuck me man. J'essaie de sauter au-dessus de ce caillou et je me suis retrouvé à tomber quoi. Okay, je crois que j'ai fait la même que tantôt. Hein. M'en fous, je vais le refaire. Ah, ça, je suis passé. Ça, c'est la porte principale. Et du coup, je venais d'ici, on est d'accord. Et j'ai rien raté. Non, les objets sont pris. Ah, salade! Rien dit. Pourquoi c'est pas apparu sur la minimap? Ça, c'est le pont. Ok, let's go. On va aller voir s'il y a un objet, je vais pas le faire. Avec les hiboux là, c'est ok. Donc attendez, c'est pas le dernier hibou de la zone. Il reste une place pour un hibou. Ça, ça allait vers un caillou. Ah oui, c'était le ponton, bien sûr. En vrai, si, on va voir les hiboux vite fait. Hein. Que si c'est bien le dernier hibou de cette zone, autant aller voir. Et puis après, quand j'aurai les 5 hiboux de la prochaine zone, j'irai voir, etc. Et il y a des passages pour stepper au pays des hiboux dans chaque endroit, je pense. Parce que là, c'est pas comme si elle était ici, la forêt. C'est juste que lui, il m'y emmène. Ou il m'y amène. Pareil. Do you sense one of your friends, Hoodle? Pas du tout. Ah là, ils sont que 3. My bad. J'ai cru que c'était bon.
Non, tantôt j'avais confondu en fait. J'avais cru lire qu'il restait une place alors qu'en fait ça disait qu'il restait plus de place. Et c'était l'arbre d'un bled où je suis déjà allé. Du coup là si je vais tout droit ils vont me faire des... Ils vont me faire une phase en mode non c'est une mauvaise idée. Regardez. Oh merde, pas le temps de le montrer. Mais quand j'essaie de faire l'attaque de feu avec, avec cette arme, c'est... avec cette compétence maintenant, c'est chaud. Pour rester enfoncé sur la touche X, c'est ça. Wait, there are way too many snake eyes up ahead. C'est bon. Ça vise comme on peut. Hein. La gueule, bordel. C'est quand même marrant. Ah, j'ai tellement le dos congestionné parce que j'ai fait le dos hier que quand je rigole, j'ai mal au dos, quoi. On sent les muscles qui tremblent. Sisloden's an old city. It's littered with pathways that people have long forgotten. But keep your voice down. We don't know how long this route will stay hidden. Et toi? C'est pas un secret, mais directement dans les plaines. C'est un passage souterrain dont même les yeux de serpent, on connaît pas. Tu l'es. Je viens de relancer le jeu. Rise. Je vais te demander t'es où, mais si ça se trouve, ça va me spoiler. Mais tu m'as dit que t'étais pas loin. Hein. Que t'avais pas fini le jeu, quoi. La pêche, hein. Je te comprends aussi. Quand on va trouver la pêche, on va sans doute jamais jouer au jeu. Sisloden. Ce pays plein de cisgenres et de complotistes. C'est le pays des collabos, quoi. Putain, mais notre tête elle dépasse dans la rue et genre personne le remarque. C'est joli quand même. Hein. Do you sense one of your friends, Hoodle? Rendez-vous à la base des serpents d'argent, enfin des épées d'argent. Ok, il y a un hibou pas loin. Bienvenue à Sisloden. Vous feriez bien de vous dépêcher avant de vous faire remarquer. Faites attention à ce que vous dites en public, vous pourriez le regretter. Oui, mon frère hibou. So this is Sisloden. Capital city of Sislodia. Be careful. You never know where Snake Eyes or their informants are lurking. We're basically walking into a Zugul's den here. Quatrième seigneur, voilà ce... Ouais, ok. Ah, quand même, quatrième. T'es loin, quand même. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas surveillé, tu peux y aller. Et n'oublie pas, ne regarde pas en arrière, ne parle à personne et ne t'arrête sous aucun prétexte, compris. Mais pour le loot, alors? Faut pas m'arrêter sous aucun prétexte, de malade. Ah mais il y a un hibou normalement, j'ai entendu hibou tiers. Avançons un peu quand même. Ah, c'est moi ou je viens... Je viens de passer un truc où je peux pas passer. Oh. Peut-être que je vais apprendre à grimper au mur. Et là on dirait aussi qu'il y a un truc... C'est trop marrant. J'aime bien le style de cette... de ce village, enfin de cette ville. Ça sympa. Excusez-moi monsieur, j'aimerais vous signaler une personne qui tenait des propos injurieux envers sa seigneurie.
Je vous écoute, selon ce que vous me direz, il se peut qu'on vous octroie une récompense. Eh bien, c'était Billy. Il a mal parlé des roubignoles de sa majesté. Des roubignoles, vous dites ? Il n'y avait pas un hibou. Mon hibou, il a réagi. On va voir ce qu'elle va dire. Le hibou repop. Ou alors, il a baisé le hibou. Là, il repop plus. Peut-être atteint hibou, mais je sais pas. Je vois pas. Oh, la petite fille. Je me demande où va mon frère quand il sort. Il m'a dit qu'il avait trouvé un bon travail, mais il veut pas me dire où. Ça chipote, hein. Ça chipote. Vous voulez bien me les faire moins cher, c'est au-dessus de mes moyens à ce prix-là. Vous connaissez la règle, madame. Vous pouvez toujours insister, mais je n'ai pas le droit de ni de changer de marchandise, ni de baisser mes prix. Moi non plus, je n'ai pas les moyens d'en manger. Les autorités me prennent tout ce que je gagne. Je suis tout autant que vous. Ouais, c'est la guerre, quoi. Ah, il y a un hibou pas loin, là. Les taxes sont tellement élevées que je n'ai pas les moyens de faire des affaires. Je dois vendre plus si je veux réussir à joindre les deux bouts. Faites pas n'importe quoi, l'autorisation d'exercer sera le dernier de tes soucis si tu te fais tuer. Méfions-nous, les mouchoirs des yeux de vipère sont partout. Ça doit être horrible de vivre dans un monde de collabo quand même. Oh, c'est une télé ? Un écran télé, quoi. Lunettes de soleil. Ah, c'est ce qu'il a lu, Tender. Il n'y aura pas vu des insurgés à signaler. Il paraît que tu en sais très long sur ce qui se passe ici. Non, je ne sais rien du tout, monseigneur. Si je savais quoi que ce soit, vous en seriez le premier informé. Je suis un bon citoyen, moi. Ah, il y a un objet dans la forêt. Donc du coup, pendant que je me fasse chier, le hibou me dit quand j'ai un nouvel objet. Et mieux vaut ne pas traîner, il ne faudrait pas se faire remarquer. Oh, c'est la difficulté. Salut toi. Vous avez atterri là par hasard, fichez le camp. Et c'est un endroit spécial ici. Enfin, ça m'a l'air. Regardez-moi ces adorables petites filles qui essaient de maintenir la boulangerie familiale à flot après que leur père s'est fait arrêter. Oh non, mon Kokoro. Qui veut du pain? Il est bon, il est chaud, il sort tout juste du four. Il a l'air un peu original, c'est vrai, mais je vous promets qu'il a très bon goût. Oh, je peux pas leur acheter du pain. J'achète ton pain, j'achète tout. It's bad, man. Non, je vous jure que je suis pas en train de me tourner les pouces, je me mets tout de suite au travail, regardez. Les petites filles qui ont perdu leur papa, faut pas faire ça dans les jeux, c'est trop facile. J'ai vu quelqu'un de suspect au marché sur le terrain. J'aimerais bien qu'on arrête de dénoncer des gens, s'il te plaît. On peut pas, on est orphelins, on n'a pas 36 façons de gagner de l'argent. Mais à cause de nous, plein d'enfants se retrouvent orphelins aussi. Oh, la petite fille qui est beaucoup trop aware de ce qui se passe. Beaucoup trop aware et des problèmes beaucoup trop larges pour une enfant. God damn. Regan. Shh. It's good to see you. Who's this? Des gens suspects. If you say so. Come on, Menek's waiting. We can talk in there. Les murs ont peut-être des oreilles d'ailleurs. Oh, le style. The name's Menek, leader of the Silver Swords. And I wish I could extend my warmest welcome to you all, but if my eyes don't deceive me, you appear to have a Renan in your midst. If she is your prisoner, that's a rather loose leash you have her on. She's not a prisoner. So why do I get the feeling there's a rat about the house? No offense intended. No offense, see, tu parles mal. I'm uncomfortable with the likely outcome. Like, no offense. Stabbed back, but stabbed in the front? We risked our lives just to get here, sir. If you want to send her away, fine. But you'll lose me too. I see.
trust is in about as short supply as light around these parts, and mine more than anyone's. But I'll choose to believe you. Forgive my manners. You must be tired after such an arduous journey. But to business. We need your strength. The Snake Eye's grip on the city tightens by the day. Our people are suffocating out there. Hence the scouts I sent to find help. We're at the end of our tether here. That's why we're here, to help. We've got the firepower to do it, too. But first, we've got some urgent business to take care of. I see. So your leader is in need of rescuing. It's none of your concern. We get that. But... It's coming to our aid that got you into this mess in the first place. You can count on us. Just as long as you help us with our problem afterwards. If he's been arrested by the Snake Eyes, as you say, then there's a good chance he's being interrogated over at their headquarters. Either that, or he's being put to work over at the Floodlights. First priority is finding out where he is. If you're planning on tagging along, Rinwell will show you the way. Just make sure to keep a low profile. Remember, it's not just the Snake Eyes. Hostiles lurk among the villagers, too. This leader of yours, he must be quite the inspiration for you to go to such lengths for him. I look forward to meeting him someday. Assez intéressant tout ça. Rinwell, épée d'argent. Augmentation d'un carré. Oh, les carrés, c'est bien quand même. Chaque fois qu'on gagne des carrés, je me sens plus fort. Je t'ai mute un instant pour me réinstaller sur ma chaise, mais je suis toujours mal installé. Hein. Ouais, vraiment. Honnêtement, c'est horrible de s'asseoir. Être un homme et s'asseoir. Hein. Des problèmes compliqués. Alors, il y a quoi comme bonus ici? Rafale, flaque d'eau. Flaque d'eau, vraiment. Unité lente, réduction de lancement des armes pour prendre un combo. Des petits trucs intéressants quand même. Ok. Alors, on va y aller, on va parler à tout le monde comme d'hab. Hein. À combien dans la vidéo 47, ça va. Tu as assuré, je sais que tu prends beaucoup de risques pour obtenir des informations, mais sache qu'elles nous sont d'une aide précieuse. Ah, ils sont déguisés en connard de Rainien pour fouiner à gauche à droite. Ils ont des masques, bien sûr, personne ne peut savoir. Or, c'est rendu des humains. On sent, mais c'est quoi cette odeur? Ça vient de toi. Qu'est-ce que tu as pris un bain? C'est quoi que tu as pris un bain pour la dernière fois? En ce cas, d'accord, je sens pas si mauvais que ça. Pas de respect pour quelqu'un qui passe ses journées dans les égouts pour apporter tout ce que cet organisme a besoin pour tourner. C'est bon, tu pues, frère. Prends une douche. Chose qui arrive. Meilleur endroit pour collecter des renseignements, c'est la place centrale. Vous devriez aller y faire un tour. Vous ne pouvez pas parler ouvertement avec qui vous voudrez, mais vous aurez tout le loisir d'entendre les rumeurs qui circulent. Et puis ce serait une bonne opportunité pour vous de découvrir Cislodan et de prendre un peu la température de la ville. Et Cyril Noël vous a fait venir ici, c'est qu'on peut vous faire confiance, non? Vous pouvez vous considérer comme des membres honoraires des épées d'argent. N'hésitez pas à utiliser cet endroit comme bon vous semble. D'accord. Je pensais que c'était la fille qui parlait. J'admets que je ne m'attendais pas à avoir une Rainienne parmi vous. À vrai dire, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Vous aurez beau me dire qu'elle est avec nous, je pense que... Je sais qu'on ne peut pas se fier à ces gens-là. Oh, le racisme de base. Après, c'est vraiment des espèces différentes, c'est ça qui est choquant. On va pas tarder à manquer de nourriture. Il faut que j'en touche un mot à l'équipe de ravitaillement pour qu'elle nous en rapporte. Je veux dire, c'est comme dans Mass Effect quand c'est les humains et les Turiens, genre de conneries, tu vois. C'est vraiment, vraiment des races qu'on va avoir. C'est juste que là, ils se ressemblent, ils ont la même tête, c'est des humains, quoi. Et si j'ai bien compris, c'est vraiment rien à voir. Des extraterrestres, quelque part. Enfin, des extra-daniens. Des extra-danettes. Ils sortent des Danone, quoi. En cas de fatigue ou de blessure, je vous recommande de rester ici, vous reposer. Avant de se reposer, je vais check l'étage. Ouais, bon, toi, je voulais pas te parler, t'as une sale gueule. Oh! Alors, attends. Avant, on vend. Voilà, les minerais de fer.
On achète, on voit ce que tu vends. Toujours la même armure en pot de zug, donc je peux même l'acheter ici. Des œufs. Non, ça c'est quand je veux vendre. Ah non, quand je veux acheter. Non, 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 on est bien. On est bien, on est bien. J'ai qu'un seul œuf. Ah, un deuxième œuf. Pour cuisiner ça. Ok. Qu'on a dit à l'armure là. Créer une arme alors. Ah, aile de tempête, je peux maintenant. Aile de tempête, je peux. Aile de tempête, je peux. Bah, let's go, hein, fabriquer, équiper. Hein. Grondement ardent, méga noyau étrange, toujours pas. Et elle, toujours rien du tout. Mais je suis content d'avoir une nouvelle arme pour moi. Créer, elle art améliorée de vent. Essayer d'avoir des arts de vent, hein, d'équiper du coup. Oh, elle est jolie. Hein. Et jolie, et jolie. Des nouveaux accessoires, toujours pas. On peut faire que les mêmes pour le moment. Let's go. J'ai toujours pas débloqué la fusion d'accessoires par contre. On va quand même pas être obligé de faire confiance à cette Rainienne si elle travaille pour les autorités. On risque gros, enfermé là. On a sauvé tout un continent, enfin toute une région. Ils sont bêtes ou quoi? Ils oublient vite hein. On voit qu'ils utilisent pas trop leur cerveau ici. Ah oui, elle est là. Ouais, on va se reposer. On va se reposer parce qu'il y a du... Oh, j'ai dû rater des R1. J'ai dû rater des R1 dans tout ça, non? On va pas cuisiner parce qu'il n'y a pas de combat pour le moment. Ah, mais il y a du R1, let's go. Have you and Manic known each other for long, Rinwell? No, not really. I haven't been with the Silver Swords for all that long, truth be told. He's a smart guy, but he's also deeply suspicious of other people. I can understand, since that's how you get to survive around here. Really? I could tell he was wary of us at first, but he seemed to warm up to us pretty quickly once we talked to him. Yeah, that's pretty unusual for him. I think that's a sign of how desperate things have become. In my case, it took a long time for him to start trusting me. But then again, I kinda get where he's coming from. On vient you pas d'ici. Never know who might betray the group, or when the Snake Eyes might be watching. What made you join up with the Silver Swords in the first place? This wasn't your hometown, so was it the Snake Eyes who? No, it wasn't them. I just, actually, we shouldn't stand around talking. People will start to suspect us. Let's keep moving. On est dans la taverne des mecs. What the fuck, quoi. Y'a pas du R1 disponible? Non. Ok. En tout cas, elle nous cache un petit truc de comment ils se sont rencontrés, etc. Comment elle en est arrivée là. Bref. Il faudrait continuer par là-bas hein, pour aller vers la place centrale. Mais avant, j'aimerais voir si j'ai pas raté du R1. Oh, c'est chiant les scènes éteintes. Hein. Sur la route ou quoi, tu vois. Les scénettes, est-ce qu'il y en a qu'on peut rater à jamais? Je me sens comme si quelqu'un nous regarde. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de notre aide. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'erreur. Je me demande si quelque chose s'est passé. Ouais, je vais jouer, c'est pas moi R1, ouais. Parce que maintenant. Le truc c'est que je me demande si tu rates une scénette, tu peux revenir pour la faire. Mais après peut-être que si tu passes certains points dans l'histoire, ça fait aucun sens et du coup elle est perdue à jamais, tu vois. Comment ils ont pop quoi? So that's where those beams of light have been coming from. Right. Any Danans accused of dissent against the Slodia's lord are rounded up and brought here, then put to work. It's a fierce deterrent. And you think Zephyr might be in there with them? Damn. I want to see what the lights are all pointing towards. Take us there. J'avoue que moi aussi je suis curieux.
De savoir ce que font ces lumières. The floodlights converge from all the way over here. I want to take a closer look. There's something I need to confirm. What could possibly be worth the risk of us all getting spotted? You'll find out when we get there. Eh bien, quelque chose, tu as besoin de quelque chose, fait que je ne fais que travailler là. Salut monsieur le robot. C'est intéressant pour nous d'avoir des demi-portions à notre solde. La plupart se contentent de nous rendre de petits services, mais il y a des perles rares. Certains gamins sont très doués, les avoir sous notre coupe nous facilite vraiment la tâche. Can you blame them? They live under the cover of darkness day and night. That's bound to wear you down. Not to mention all the snake eyes roaming around. Laughing, talking too loud, or just about anything that makes you stand out can get you killed. Be careful. If anyone's even a little suspicious of us, they'll report us immediately. Right. It's not just snake eyes we need to watch out for, but other Danans too. Still, there are a fair amount of people out on the streets. Isn't it safer to stay at home? That's the thing. If you stay cooped up too long, people start to suspect you're hiding something. Damned if you do, damned if you don't. So people feel like they have no choice but to turn others in so they don't get in trouble. What a miserable way to live. At the very least, we should probably go someplace where there aren't so many. Ah, Shion! We already stick out here like a sore thumb as it is. So I think it's better if we just walk confidently out in the open. Don't look anxious. Just walk firmly and look like you have a destination in mind. What, is sticking to the plan too much of a hassle for her? This is why Renans are the worst. I don't know if it's a Renan thing or not, but she does have a point. Bah oui. Anyway, we're not gonna get anywhere just standing around. Let's follow after her. Je viens de marcher comme si on essayait de looter dans un jeu vidéo, quoi. Une gelée de pommes. Oh, j'ai encore une gelée de pommes que je vais perdre. Reste bien au chaud, gelée de pommes, je reviendrai. Essayez que tu prépares une révolte. N'importe quoi, il doit y avoir une erreur. À direction le projecteur pour toi. Oh, les projecteurs Qu'est-ce que vous regardez, vous? Vous voulez aller au projecteur aussi? Bah oui. Bah, on sait pas par où c'est. Bonjour. Personne n'est autorisé à entrer. Approchez vous encore et je vous mets en état d'arrestation. D'accord. Personne n'est autorisé à rentrer. Ah, il m'a même pas mis en état d'arrestation, le menteur. MDR, l'humour. Vous avez vu l'humour? J'espère que vous êtes heureux. Hein. De l'humour que j'ai. Bon, on y va. Hein. Aucun respect, on ouvre les grandes portes, voilà. Personne nous arrête. Y'a aucun sens. On est juste arrivé, on a juste marché, quoi. Ah non, mais c'est juste la ville. Donc il y a des grandes portes comme ça dans la ville. Transition de zone, quoi. Ouais, salut, hein, vous deux. Ça me fait penser à la ville dans Skyrim. La ville des Hurlorages, là. Ou non, Hurlorage, c'est dans... C'est dans Warcraft 3. Les Sombrages. C'est là où moi j'habitais, d'ailleurs. Avec... j'avais épousé Lydia. Et plein d'autres femmes, en plus. Enfin, les modes, hein. Faudrait qu'on rejoue un jour à Skyrim. Faut modeste quand même quelque chose, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il, monsieur? On t'a vu franchir les limites du quartier où tu vis et du secteur où tu travailles. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Bah, balade? Ça sent le roussi, là, Alphen. Tu ne serais pas en train de conspirer avec des rebelles, quand même. Quoi? Mais non, enfin, voyons. Je vais avoir des enfants. Ils sont tout seuls depuis que leurs parents ont été envoyés au projecteur. Je vais les voir pour voir s'ils vont bien. Voyez-vous ça? Tu es pas la première à me la sortir, celle-là. Tu iras au projecteur pour être sorti de ta zone sans autorisation. Tu pourras donner à ces gens des nouvelles de leurs enfants, comme ça. Non, je vous en prie, on va s'occuper d'eux. Qui va s'occuper d'eux si je suis plus là? C'est pas mon problème, et d'ailleurs, personne ne t'a rien demandé à la base. Suis-moi. Voilà comment on se retrouve envoyé au projecteur. Il en faut peu pour être heureux. Complètement dingue, tout ça. C'est vrai que c'est dingue. Les mecs, au pif, ils se font envoyer, quoi. Y'a ta récompense. Wouah, l'enfoiré! Et si tu vois quelqu'un d'autre de suspect, préviens-moi. Vous êtes conscient de ce que vous venez de faire, espèce d'enfoiré? Hein? Alphen, non. Cette femme que vous avez dénoncée, elle s'occupait d'enfants livrés à eux-mêmes. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire?
We're gonna kill this guy. Ça y est, mes parents aussi, ils ont été envoyés au projecteur. Ils en sont revenus dans un sale état. Ils ne peuvent plus travailler pour mettre quoi que ce soit sur la table. Alors je suis obligé de faire ce qu'il faut. C'est pas pour autant que vous avez le droit de... Eh bien allez-y vous, donnez-moi de quoi manger. Allez, j'attends. On lui fout une patate, ouais. Sorry. Désolé Reed, mais il méritait une patate quand même. Comme à peu près tous les habitants de cette ville. Bref, allons sauver ton royaume, âme d'un chier là. Allons sauver des gens qui ne méritent même plus d'être sauvés parce qu'ils ont vendu leur âme quoi. Ouais, ils se foutent de sa gueule, regardez moi ce type qui se chie dessus quoi. Il trempe de feu. Hein. À faire dans son froc. You cannot. Ils ont même pas mis de dialogue à ce type pour nous dire de pas y aller. Hein. Juste un mur invisible. Hein. On voit tellement de choses apparaître dans le jeu quand même, c'est grave. Hein. Alors ça rend le jeu super fluide, mais quand même, je trouve ça un peu abusé. Hein. Pourtant, j'ai mis tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Hein. Genre dans les options, j'ai rien d'autre que je peux activer. Hein. Oh, c'est joli. Un spirit vessel. I thought as much. So they're pumping it full of light. No, not light. Astral energy. Of course. No wonder this realm's so dark. It's as though there's a pall over the sky even during the day. Mm. Except it isn't dark. Not really. The light's just being diverted. Diverted? Suck up all the light, and all that's left over is darkness. What's the difference? Darkness exists as an actual element of astral energy, just like light does. Didn't you know that? Mm. Let me break it down for you. Astral energy exists as different elements. There's earth, water, fire, and wind, as well as light and darkness. But dark astral energy only exists on Rena, and light astral energy on Dana. So, dark energy isn't harvested as part of the crown contest. She's right. It's the same reason why I can't wield dark energy, and similarly, why no Renans can use light energy either. The only exception to that rule on the Renan end is likely the Lord here, who has the Lightmaster Core. Whatever the case, it looks like they're collecting light here the same way they were fire back in Calaglia. From what I hear, there used to be a proper day and night cycle in Cislodia ages ago, but apparently, over the last 300 years, the darkness spread from Cisloden and covered the whole realm. That's crazy. I can't believe the Renans found a way to steal even our own damn light. We shouldn't linger. Let's keep moving before someone spots us. C'est super intéressant ça. Donc il y a de l'énergie de lumière que dans notre bled et de ténèbres que dans leur bled. The Snake Eyes have the information we need, but we can't just ask for it. So what if we sneak in and take it instead? I wasn't aware you knew how to be sneaky. Hey, look over there. On peut tous être un peu Metal Gear Action. That's Zephyr's son, Law. I don't know. Something doesn't feel right about all this. Are you kidding? He's practically gift wrapped for us. Hey, what are you? C'est le moment de le kidnapper. I remember you. What do you want? We don't mean you any harm. We just want to talk quietly. Deal? Make it quick. Where are you keeping Zephyr? We're here to rescue him. Why? What do you mean, why? Isn't he your father? Oh yeah, easy to forget that. After he abandoned me. Abandoned? It's the truth. All my old man ever cared about was sticking it to the Bright Eyes. He never even made it to Mom's funeral.
So you become an agent for the local lord? You got a problem with that? You're not exactly one to talk, keeping company with a Renin woman. You think you know her, but wait until she has a choice between you and her people. I may have become an agent for the Renins, but at least I'm here trying to soothe the agony of my people from the inside. What's your excuse? I don't buy it. No. You're running because you're scared. You think you're the only one who's had to suffer? What the hell do you know, you- What the- Damn you! Word to the wise, people like you make me- Look, I don't know what happened between you and your father, but what I do know is that when you fought back at the village, he wouldn't raise a hand to strike you. I've never seen Zephyr back down from a fight, but he could never hurt his own son. And when he said he was staying behind, I think it was because he wasn't willing to abandon you. If you know anything, then tell us, please. I don't know where they're keeping my dad now. All I've heard is that they're going to publicly execute him in the plaza in front of headquarters. Execute? Thank you. You did the right thing. Why are you so determined to help my father? Zephyr is the reason I took up the sword. He taught me how to think for myself. And I want to learn more. If they're going to execute him in the plaza, damn, then it'll be too dangerous for us to go alone. Let's ask Menik. He should be able to sneak us in. Sounds good to me. Let's have a chat with him. Yeah. So I get that you perform a certain type of astral arts, but why does your magic look so different from what Renin's use? Is it a different source or something? I'm not exactly an expert on how Renin's cast magic, but we both manipulate astral energy to create it. We just channel that energy in different ways. Like how you chant your spells, whereas they throw out those weird symbols? Yeah, and just like how there are different ways to use a sword. There are elemental differences between us too. For example, light is only in Dana, and darkness is only in Renna. Ah, alright, that makes sense. So let me ask. Does that mean you can't use any dark magic at all? Or that they're just more attuned to it? Basically not at all, since I don't have any dark energy inside my body. There might be an indirect way to tap into it, but I wouldn't know. I didn't learn everything that my family knew about magic, so it's hard for me to say for sure. Fair enough. Thanks for teaching me all that. I really do appreciate it. Sure thing. Ouais, elle était en mode, y'a pas de quoi, hein, en mode panique là. Ok, en tout cas ce petit passage avec le fils de Zephyr était stylé. C'est stylé. Je crois que c'est pas 100% un mauvais bougre, même si c'est un peu un connard. Il va peut-être se décider d'être un frère au bout d'un moment. Retournons voir Menette. Par contre y avait pas une... Pas une... Non, c'est pas ici la place centrale. Ah, y'a pas... Par ici, y'a pas une petite gelée orange que j'ai laissée là? Petite gelée de pomme là? Une gelée de pomme là? Si, si. On va aller vendre une gelée de pomme au prochain marchand qu'on croise. Peut-être couper la vidéo ici et reprendre juste après, non? Ouais, elle fait une heure. Et reprendre... Et reprendre avec la libération de Zephyr et sans doute la fin de cette zone. Si.